Pardon. La moustiquaire arriva près d'un très grand carreau. Le bourdon se con ne vit pas le carreau. Comme dit la légende, même si tu as le bourdon, il ne faut pas prendre la mouche pour autant. Tokyo, Tokyo. Bravo, discipline, organisation. C'est parfait. Et la France? Pour moi, la France, ce sont deux grands acteurs que j'aimerais évoquer devant vous ce soir. Le premier, c'est Michel Simon, et le second, Michel Serrault. Alors voilà, je vais vous demander un petit effort d'imagination. La scène est à Paris. Depuis toujours, d'ailleurs. Pas loin, bon. Et un corbillard passe. Vous voyez que c'est gai dès le début. Et derrière le corbillard, il y a un homme qui marche tête basse. C'est Michel Simon. Et à côté de Michel Simon, il y a un petit chien qui trottine. C'est le petit chien qui trottine. Derrière Michel Simon et le petit chien qui trottine, il
Il y a un long cortège de messieurs en chapeau gris, en costume gris, en chaussures grises. Tout est gris, long cortège. D'ailleurs, il pleut. Et de l'autre côté de la rue, il y a un homme qui voit passer la scène, c'est Michel Serrault. Mais c'est le Michel Serrault de la cage aux folles. Et par amitié, il s'approche. Voici le corbillard qui passe. Ce n'est pas dans mes habitudes de m'approcher de gens que je ne connais pas, mon frère. Mais vous en faites une tête. Effectivement, monsieur. C'est une tête d'enterrement. Mais oui, monsieur, vous êtes derrière le corbillard. J'ai perdu un proche. Intime, un maître cher. C'est ma femme, monsieur. Elle est morte? Ah oui, puisqu'elle est dans le corbillard, imbécile. Non, mais excusez-moi, moi, monsieur, vous savez, je fais que m'approcher. Hein. Je vois un corbillard qui passe la misère, le malheur, et moi, amicalement, humainement, je m'approche. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous me rembrouez. Oh! Je dirais Renato. Avec lui, c'est à peine si j'existe, vous savez. Ça pourrait exister, vous existez, parce que vous commencez à me casser les pieds, monsieur. Mais elle est morte de quoi? C'est le petit chien. C'est le petit chien qui l'a mordu. Il s'appelle Mortimer. Tout ce qui mord, ça meurt. C'est un chien vénéneux. Ça m'émeille. Ce petit papa de sa petite queue de tour. Mais vous savez, j'y pense tout d'un coup. Ce petit chien, vous ne pourriez pas me le prêter. Juste une après-midi. Il mordrait Renato. Je n'en parlerai plus. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez, cher monsieur, seulement voyez-vous. Il faut faire la queue, comme tout le monde.